Dites, commandant, vous savez cette carienne, Tali? Elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein? Non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe. Vous savez vous entourer, commandant. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Tantal Games ? Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. Ah, bonjour, Shepard. Vous allez bien ? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit ? Le silence vous empêche de dormir ? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Je dois y aller. À plus tard. Et ben voilà. Bon, on a quand même bien avancé sur cette session. Ça me perturbe toujours autant que ça fasse pas de bruit quand tu montes les marches. Commandant, je sais que ça n'a vraiment pas dû être facile pour vous. Devoir choisir entre Alenko et Williams. Désolé, chef. C'est juste que... je sais pas si j'en aurais été capable. Dans un cas comme ça, il n'y a pas de bon choix possible. J'espère que je ne vivrai plus jamais ça. Je comprends, commandant. C'est juste que... c'est un peu dur. Saren est toujours en liberté, Joker. Allez, Dunair, on a besoin de vous. Soyez tranquille, chef. Vous pouvez compter sur moi. Je vais être aux premières loges quand vous choperez cet enfoiré. Ne vous inquiétez pas, commandant. Ça va passer. Je compte sur toi, mon petit Joker. T'es mon préféré. La meuf qui dit ça à tous les gens de son équipage. Je compte sur toi, mon petit Joker. T'es mon préféré. Démarche à sonoriser. Exactement. J'ai transmis les données de mission à la Citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la Citadelle pour faire un rapport. Le Conseil lève une flotte interraciale contre Saren et ses guettes. Ouais. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker, cap sur la Citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. Ouais. À vos ordres, chef. Ouais, elle est partie, puis elle est revenue.
Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discrète. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. La véritable menace est Sovereign. Saren n'est qu'un larbin des moissonneurs. Vous êtes la seule à avoir vu ces moissonneurs, et encore, dans vos visions. Nous n'envahirons pas les systèmes Terminus sur la foi d'un rêve. Mais... Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif, l'attaque de la citadelle. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais... vous commencez à devenir plus encombrante qu'utile. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Personne ne me poignarde dans le dos, Udina. Personne. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Il essaie de se placer, ce grand fils de pute. Commandant, vous allez bien? Je suis sûr qu'on peut faire appel. Après tout, ce n'est pas le Conseil qui doit décider. C'est l'Alliance. On m'a bien fait comprendre que je ne pourrais rien obtenir par la voie officielle. On ne va tout de même pas accepter ça. À votre avis, c'est où le meilleur endroit pour admirer la fin du monde? Tant qu'à rester les bras croisés, autant se mettre aux premières loges. Pour le moment, on ne peut rien faire, mais je vais avoir besoin de vous. Vous savez que vous pouvez compter sur moi et sur le reste de l'équipage, commandant. Arrêtez de jouer au bon soldat. Je cherche un peu plus que votre soutien moral. N'en allez pas, Shepard. Vous n'êtes pas toujours très simple à comprendre. Je suis là pour vous. Mais la situation est déjà assez compliquée comme ça, non? C'était déjà pas simple avant. Mais on est l'élite de la Navy, non? On a des responsabilités. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un truc bateau du genre « tout ira bien » ? Bon, si c'est ce que vous voulez. Tout ira bien, Shepard. On va s'en sortir. C'était pas si compliqué, non ? Je crois que je pourrais m'y habituer. Vous pourriez peut-être m'apprendre maintenant qu'on a du temps devant nous ? Ils vont faire des bisous sur la bouche. Ouah, c'était mal fait. Roulage de pelle. Oh, tension sexuelle. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Vous nous espionniez, Joker? Non, chef. Je savais que vous étiez à bord et je voulais juste passer le message. Le capitaine vous donne rendez-vous à l'électron libre. C'est un club dans les secteurs. Vous feriez mieux d'y aller, non?
Kaidan, lit, chambre. Tu peux faire le rapprochement. Elle est morte, elle est morte. J'ai pas suivi où on devait aller. Je vais regarder dans mon livre de quête. Et pas sa reine, mais un moissonneur de sa reine, et ce sa reine manipule sa reine pour trouver le canal de pièces insurvables au retour des moissonneurs, oui, d'accord. En fait, j'ai tellement de quêtes à la citadelle, là, ça va être chaud. Électrons libres, dans les secteurs. Ok, c'est bon. Tali, ne craignez-vous pas que le retour des Geth génère de la haine contre votre peuple? Les Geth ont tué des milliards de Kariens et nous ont chassés de notre planète d'origine. Nous avons payé notre erreur au prix fort. Si seulement toutes les races pouvaient voir les choses sous cet angle. Toi, les boîtes de nuit pour rencontrer Gradé pour décider quoi faire contre l'apocalypse. D'accord. Je prends cette mission très au sérieux. Ouvrir porte. Merci. Commandant Shepard. Oui. Kali Sabine Sinan Al-Gilani pour Westerloo News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain? Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être appelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre? Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, le Normandie a été développé en étroite collaboration avec des ingénieurs turiens. Ils disposent de très nombreuses innovations, mais c'est top secret, désolé. Alors les Turiens connaissent les secrets du Normandie pendant que le public humain reste dans l'ignorance. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la Citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué? Je ne crois pas que ce vaisseau soit aux mains de qui que ce soit. C'est moi qui commande, et jusqu'à preuve du contraire, je suis humaine. De même pour mon équipage. Humaine, certes, mais vous obéissez aux ordres de la Citadelle désormais. En parlant de votre nouvelle mission, est-ce le Conseil qui vous a demandé de saboter les recherches humaines sur Noveria? Le Conseil n'a rien à voir là-dedans. Il y a eu un accident dans les laboratoires de Twin Helix, mais je ne peux pas vous en dire plus, ceci est confidentiel. Voici une révélation très étonnante, commandant. Twin Helix pratique activement la langue de bois. À la lumière de vos récentes expériences, pensez-vous que la communauté galactique accordera un jour à l'humanité le respect qu'elle mérite? Ce qui est étrange avec le respect, c'est que les gens pensent qu'il leur est dû. Sauf que le respect, ça se gagne. Et je sais que nous le gagnerons. Belle leçon d'idéalisme, commandant. Puissiez-vous avoir raison. Une dernière question, commandant. On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Un commentaire? C'est lui qui est derrière l'attaque de notre colonie d'Eden Prime. Une fois son implication prouvée, on m'a chargé de le ramener. C'est très étonnant, commandant. Officiellement, Eden Prime a été attaqué par des synthétiques rebelles. Bonne chance pour votre mission. Merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps, commandant Shepard. M'a de rien. Oh putain, elle m'a donné pas mal de fric quand même. Hein. J'ai pas un truc pour me TP là. Ouais. Site des secteurs.
Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Quel est le problème ? Ah ! Droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparlers avec les Galaria. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Épargnez-moi votre numéro de commercial. Dites-moi ce que vous voulez, point. J'ai besoin que vous me rapportiez un stimulant intellectuel. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. J'ai des choses plus importantes à faire que de vous rapporter votre fixe, Keller. Dans quel siècle vous croyez ? Vous croyez que les négociateurs galariens se posent autant de questions, eux ? Si vous refusez de m'aider, je trouverai quelqu'un d'autre. Ah bah, trouve quelqu'un d'autre, mon gars. Évite de crier ça sur tous les toits. Tout le monde sait que le fils est de mèche avec la racaille du coin. Raison de plus pour ne pas trop la ramener. Ah, sauf si tu veux finir avec un contrat sur ta tête. Paraîtrait même qu'il a enterré des gens sous la scène de l'antre de Coras. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Et puis ça expliquerait l'odeur. Ok. Très classe. Bienvenue à l'électron libre. Je m'appelle Doran. Que puis-je faire pour vous ? C'est vous le proprio ? Proprio, cuisto et barman. Je suis même danseur quand l'ambiance s'y prête. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. Ok. Au revoir. Je suis un peu occupée, là. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous parliez de quoi avec ce Volus ? Qui ? Doran ? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur. Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée. Je veux pas vous bassiner avec mes problèmes. Je suis curieuse d'entendre votre histoire. Bon, d'accord. Ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Coras. Le problème, c'est qu'elle travaille comme indique pour le SSC. Elle espionne les clients de Coras, quoi. Si ça se sait, ils vont la tuer. Indique ? C'est un métier dangereux. C'est ce que je lui dis. Je ne comprends pas. Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier. Vous savez qui est son contact au SSC ? Non, c'est top secret. La dernière fois que j'ai demandé à un officier, il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna. Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Coras est un endroit dangereux. Ce serait vraiment génial. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Bon, je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ait des ennuis. Merci. Anderson est là. D'accord. Il y en a un dans le fond, il avait gagné, il avait les bras en l'air. Ouh, ouh. Encore ? Ouais, ouais, regardez-moi, regardez-moi, il a gagné, ouais. Alors, ça perd, tout le monde perd. Sambiance. Pourquoi la musique doit-elle toujours être si forte dans ce genre d'endroit ? Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. C'est pas mal ici, mais j'ai quand même le mal du pays. Le bar est correct, mais pour trouver une bière, bonne chance. Sympa ici, non ? Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. D'accord, le videur, il est très éloquent. Allez, viens, on danse. Allez, Tali, danse avec moi, Tali. Cette musique est vraiment surprenante. Vous croyez que je peux trouver un exemplaire à rapporter chez moi ?